flacon, crayon, pinceau, blaireau. Elle se plaise à s'engluer la peau. Bâton, coton, joli, sexy, personnalité vernie. Vanillicile de mascarade, elle me plaise sans cassonade. Les filles. Qui est Nathalie? Ce n'était qu'un flirt, une estivale amourette, selon ses proches et sa famille inquiète, mais elle s'accroche encore à ses rêves et souvenirs. Certains feront semblant de comprendre. Aucun ne voudra croire qu'elle s'accroche encore, qu'elle s'accroche encore à ses rêves et souvenirs. Alors elle commence à s'imaginer qu'elle pourra l'oublier ou le retrouver et revivre enfin ses rêves et souvenirs. Il était un petit guignol dans son palace cosy qui m'a dit très gentiment: travaille plus pour gagner plus. Alors j'ai voté pour lui, j'ai fermé ma bouche aussi, et j'ai gaspillé mon temps pour en gagner toujours plus. J'ai face à mon canapé le plus cher des écrans plats. J'ai garé dans mon garage, oui, la plus stylée des bagnoles. J'ai même dans la salle de bain un jacuzzi qu'on s'en sert pas. Après tout ça reste quoi? Les promesses du petit guignol. Il était un petit guignol dans son palace cosy. Il était un petit guignol qui s'appelait